Merci aux amis de la presse d'avoir été ici pour ce que nous allons continuer comme habitude dans nos pratiques, essayer de construire des rendez-vous avec vous. Vous vous souviendrez que l'année dernière, nous avons eu deux grands rendez-vous. Un, c'était, je crois que les deux d'ailleurs, ont eu lieu à l'hôtel Kaloum. Et on s'est prêté au jeu de questions-réponses avec vous. En ce début d'année, il est important aussi de rappeler un certain nombre de choses qui ont été faites l'année dernière et d'espérer qu'on va continuer cet échange pour faire en sorte que vous soyez mis au courant par les voies les plus appropriées des activités du gouvernement. L'année dernière, donc, qui s'est achevée, qui a commencé avec un peu de contradiction dans l'espace politique, comme vous le savez, avec la question du dialogue politique, la question de la transition de façon globale, avec un début de tension qui naissait entre la CEDEAO, nous-mêmes et les acteurs politiques, des choses qui ont pu être dissipées avec une bonne satisfaction, parce que le rapport avec la CEDEAO est maintenu, le cadre du dialogue est préservé, et puis le contenu de ce qui doit rythmer la transition est connu de tous, et des actions sont en train de dérouler. La première action, c'est la création de cette structure chargée de faire le recensement à caractère d'état civil, qui marque une des étapes importantes de cette transition, puisque l'enrôlement fait partie des piliers les plus importants de la transition, quelque chose qui a déjà été lancé par la mise en place de cette structure. Et puis avec le ministère de l'administration du territoire qui se démène comme il peut pour déployer tout l'arsenal permettant de faire ça. Vous savez, toute la communication autour des cartes d'identité biométriques, autour des extraits de naissance biométriques, avec les exigences du chef de l'État de demander à tous les fonctionnaires et à un certain corps au fur et à mesure d'aller récupérer leur carte d'identité, et ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, avec le ministère des Postes et Télécommunications, vous savez, on est en train de faire l'effort nécessaire pour déployer l'administration dans les collectivités décentralisées pour permettre à nos concitoyens d'avoir sur place accès à des documents importants comme la carte d'identité, le permis, le casier judiciaire, l'extrait de naissance, etc., etc. C'est un chantier qui est en cours et qui est largement budgétisé cette année. Donc, en parcourant nos budgets, vous verrez qu'il y a une très grande part qui est réservée au déploiement ou à la décentralisation de l'administration par la digitalisation. C'est quelque chose d'assez important. Et puis, l'année dernière aussi, en fin d'année, on a eu l'accréditation de certaines missions. L'année 2022 finit quand même sur certains secteurs avec des notes assez encourageantes. La première, c'est cet aspect d'électrification. Tout le monde voit les chantiers immenses qui sont ouverts à Conakry. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous doit pouvoir constater quand même que la quasi-totalité des préfectures du pays ont aujourd'hui accès à l'électricité. C'est quelque chose d'important. C'est des chantiers qui étaient démarrés depuis de nombreuses années, qui étaient à l'arrêt pour X ou Y raisons. Aujourd'hui, c'est quelque chose de réel. Toutes les préfectures de la Guinée sont ou connectés au réseau électrique existant, ou ont des sources d'énergie autonomes, mais toutes les préfectures ont de l'électricité. C'est quelque chose d'important. Il y a des chantiers qui sont importants aujourd'hui sur les infrastructures routières, qui sont en cours, ou qui sont déjà réalisés. La capitale est un immense chantier aujourd'hui que chacun d'entre nous peut observer. Ça montre aussi la volonté des autorités de maintenir la continuité de l'État dans ses engagements à offrir aux populations leur bien-être. Donc c'est quelque chose d'important. 2023 démarre avec des nouvelles pratiques. Le président de la transition a instruit au chef du gouvernement de demander à chaque ministre que nous sommes de signer un contrat de performance que nous avons signé, qui sera suivi avec des mécanismes de suivi, d'évaluation, qui permettra à chaque ministre de décliner son plan d'action opérationnel avec un agenda de réalisation, et qui permet au chef de gouvernement, par étape, de suivre ça, d'évaluer, d'apporter les corrections nécessaires pour permettre à chaque ministre d'être performant à la fin de l'année. C'est quelque chose qui est nouveau et qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. Moi-même, je suis passé faire l'exercice avec le PM. Donc, mon plan d'action opérationnel, je sais ce que je dois faire en janvier, je sais ce que je dois faire en février, je sais comment je dois consommer le budget pour qu'à mi-parcours, on puisse dire, écoutez, finalement, les télécoms ne peuvent pas consommer tout le budget, pour qu'on ait la possibilité de réorienter à la loi de finances rectificatives ces budgets vers les secteurs qui en ont le plus besoin pour permettre une meilleure efficacité utilisation de ressources publiques. Par exemple, l'année dernière, sur 100% de budget, nous n'avons pu consommer que 48%.
parce que des projets faisaient défaut, parce que des mécanismes de décaissement n'ont pas pu être suivis à temps. Donc l'argent est resté dans notre compte, alors qu'il y a des départements qui avaient épuisé 100% de leur consommation et qui avaient besoin donc de ces ressources-là. Donc des mécanismes sont mis en place pour permettre des réajustements pour cette année. Et puis avec une lutte claire contre la corruption et la prévarication des ressources financières, c'est quelque chose qui va être maintenu, et une meilleure qualification de notre structure judiciaire et sécurité dans le pays. Donc ce sont des chantiers immenses qui vont qualifier encore mieux notre transition et faire en sorte qu'à l'issue de celle-ci, les Guinéens se retrouvent pour mieux conduire et mieux gérer leur pays. Donc ce sont là des chantiers qui sont importants, sur lesquels il fallait faire un petit bref rappel sur ce qui s'est passé et donner une vue sur ce qui est attendu pour cette année 2023. Voilà ce que je pouvais ajouter à la suite des présentations de vœux qui ont été dites tout à l'heure ici par le ministre secrétaire général de la Présidence. Je vous remercie. La CEDEAO, elle est au beau fixe, vous le savez très bien, parce que la conférence des chefs de l'État a sanctionné avec un quasi-satisfaitsi de ce qui a été les conclusions du dialogue politique dans notre pays. Donc, bienvenue au ministre Maurice Condé, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et donc, cette relation, elle s'est normalisée. Disons, il y a eu un moment où on a craint une montée en puissance des tensions entre nous et la CEDEAO, mais les choses se sont très largement dissipées lorsqu'on est allé regarder les choses de façon factuelle. Des accords ont été trouvés, et donc c'est très intéressant. Maintenant, effectivement, le dialogue dans un pays est permanent. Après, est-ce que la situation de notre pays justifie qu'il aille se tenir ailleurs un dialogue politique? Ce dialogue-là, il est derrière nous. C'est clair que ce dialogue, il est derrière nous parce que les sujets ont été dits, débattus en Guinée ici, débattu avec nos partenaires de la CEDEAO, des accords ont été trouvés, il n'y a pas un autre dialogue sur ça, sur ces questions-là. Peut-être que si dans l'avenir, il y a des difficultés de mise en œuvre, ce qui nécessiteront un autre dialogue, ce dialogue se déroulera ici. Tant que les conditions de ce dialogue sont possibles dans ce pays, ça se déroulera ici. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'un dialogue se tienne ailleurs sur un sujet qui est déjà bouclé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'accord avec la CEDEAO ne tient pas et qu'on va remettre ça en cause. Donc je pense qu'il faut se résoudre à aller de l'avant, à travailler pour la mise en œuvre de ce qui est obtenu comme cadre de dialogue, et c'est ce qui est fondamental pour notre pays, et c'est sur ça que nous travaillons. Quant à la question des libertés, disons, vous êtes des baromètres de la liberté dans un pays. La presse est aussi un élément qui doit juger la nature des libertés. Le fait d'avoir des prisonniers dans tous les pays, ce n'est pas une absence de liberté. Moi, je regarde un pays voisin, il n'y a pas très longtemps, c'est un journaliste de renom qui était pris et incarcéré. Il y a eu des grèves de la faim, ça a suivi une certaine mise à liberté conditionnelle, mais personne ne viendra à l'esprit de dire « ouais, il y a des problèmes de liberté dans ce pays-là ». Alors, quand c'est d'autres pays, j'imagine si un des journalistes était en prison, on allait dire « ouais, la Guinée, il y a recul démocratique, il y a ceci et cela ». Il faut comprendre que tous les citoyens peuvent, à un moment ou à un autre, pour des raisons diverses, séjourner en prison. C'est la raison et les arguments qui soutiennent la mise en prison qui peuvent justifier ou argumenter sur des violations ou non des libertés. C'est fondamental. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas que les uns et les autres soient pressés de juger des mécanismes. Je pense qu'aujourd'hui, tous nos partenaires conviennent que ce qui se passe dans ce pays suit des processus judiciaires normaux, nonobstant toutes les critiques qui sont soulevées et que nous entendons, mais il n'y a pas aujourd'hui péril à demeure quant au respect des libertés fondamentales dans le pays, et ça c'est important. Bonjour monsieur le ministre, moi c'est Omar Sou, journaliste reporter dimanche à Jomomédia. D'après les accords qui ont été trouvés avec la commission technique de la CEDEAO et le gouvernement guinéen, le délai de 24 mois, conformément aux 10 étapes de la transition, a été validé par la conférence des chefs d'État. Et ce délai devrait rentrer immédiatement conformément au communiqué de la CEDEAO. Cependant, il y a certains acteurs qui estiment que tout est mis en œuvre afin que la transition continue encore de l'étape. D'autant qu'ils estiment que jusque-là, rien n'est encore fait pour le respect strict de ces 2 ans comme durée de la transition. Ça, c'est la première question. Quel est votre avis sur cela? Le deuxième point, c'est il y avait cela quelques jours, pas plus que
il y a cela quelques jours, il y a des images qui circulent sur la toile sur une éventuelle construction d'un palais de la culture d'une capacité de 1600 places. Donc, en tant que homme de médias, on aimerait savoir qu'en est-il de ce palais de la culture. Très bien. Alors, je vais parler sur le palais de la culture, comme le ministre n'est pas un homme de la transition. Et là, il va vous répondre sur ce qui a déjà été fait par rapport à ça, pour répondre à votre première question. Oui, il y a un palais de la culture qui est en gestation. Il y a un musée, il y a des grands monuments qui sont dans les tiroirs, il y a des grandes choses qui sont envisagées pendant son... Pardon ? La cité administrative est en cours également pour pouvoir déplacer et loger dans un même environnement tous les ministères. Il y a aussi une politique très forte qu'on est en train de mettre en œuvre pour pousser les entreprises publiques à construire leurs sièges ici. Vous aurez remarqué que c'est cette transition qui a mis en œuvre le fait que les entreprises, les banques qui sont dans notre pays, soient obligées de nommer des Guinéens au poste de directeur général. Jusqu'à présent, on avait des Ivoiriens, des Sénégalais, des Nigériens qui occupaient les premiers postes dans ces administrations. Cette transition a exigé de cela. Aujourd'hui, regardez, toutes nos banques sont dirigées par des Guinéens. Et donc, demain, toutes ces banques, toutes ces entreprises importantes qui sont ici, des grandes sociétés minières, vont être obligées de construire leur siège dans ce pays-là. Donc, le projet du Palais de la Culture, c'est un grand projet que le ministre Souma porte. Et qui est soutenu par le Premier ministre et le chef de l'État. Donc c'est un projet qui verra le jour, je crois, du côté de Taïaki, et c'est à mieux pour notre pays. Je ne vois pas où est la polémique par rapport à ça. C'est une ambition. Après, est-ce que l'idée, c'est de dire que 1600 places, c'est petit? Bon, il faut déjà commencer par en avoir un, quand on sait que depuis 1958, on n'a que le Palais du Peuple comme grand bâtiment où on peut faire des rencontres. Donc si on a un autre qui peut accueillir 1600 places, c'est déjà tant mieux. Peut-être qu'un jour on aura un qui fera 2000, 3000, 5000 places, pourquoi pas. Donc c'est un chantier qui est important et qui est inscrit dans son budget. Et c'est important aussi que les hommes de presse prennent les budgets tels qu'ils ont été adoptés par le CNT pour voir dans le détail quelle est l'ambition de chaque ministre pendant cette année 2023. Pour la première question, je vais laisser le ministre de l'Administration du Territoire vous dire à quel niveau ils sont situés par rapport à cette transition. Les premières heures, que ça sera de la refondation. Et la refondation veut aussi dire faire des grandes œuvres. Et c'est ce qui est en train d'être fait tous les jours. Les chantiers routiers dont le ministre parlait tantôt participent à la refondation. Il n'y a pas que la modernisation ou la moralisation de l'administration publique, mais également faire en sorte que le Guinéen soit fier entièrement sur tous les aspects, et c'est ce qui est en train d'être fait tous les jours, en plus des grands chantiers. Et je suis aussi heureux de pouvoir vous annoncer que les travaux des ponts, des quatre ponts de Tanéné seront aussi lancés comme les échangeurs de Bambeto le 18, si tout va bien. Donc les grands travaux, il y en a partout, et c'est des trucs calibrés, et sans faire assez de bruit, sans également aller dans le populisme. Quand un travail est lancé, c'est parce qu'on est sûr que le travail est calibré et que les ressources sont disponibles. Et voilà comment tout est agencé. Tout ce qui a été fait, ou tout ce qui a été dit ou projeté sur le budget de 2023 sera effectivement réalisé. Cela voudrait dire aujourd'hui que nous souhaiterons que vous soyez la voie par laquelle la population devra comprendre que 2023 sera effectivement une année de grands chantiers et de grandes inaugurations. Et si je peux compléter la question de la transition, du délai de la transition, et comme le ministre Gawal l'a dit, les 24 mois, dans un compromis dynamique, a été effectivement approuvé par les partenaires de la CEDEAO. Ils ont dit dans leur résolution à compter d'aujourd'hui, mais on ne va pas s'attarder sur des questions de jour. La conférence a eu lieu le 5 décembre et la transition guinéenne avait proposé le 1er janvier. Donc ce n'est qu'un détail de 25 à 26 jours sur lesquels on ne peut pas mettre en cause l'avenir ou le devenir d'un pays. Et le processus de transition est effectivement mis en place. Les actions qui sont encore réalisées sur le terrain, le MATD en tant que maître d'œuvre de l'ensemble de ces actions va vous donner quelques détails. Mais effectivement, la procédure, le processus de transition est en cours et aucune volonté extérieure ne viendra freiner cela. C'est nous qui avons voulu partir vers ce compromis. C'est une volonté guinéenne. Et c'est la Guinée qui a plutôt écrit de façon très prononcée à la CEDEAO par écrit que voici ce que nous voulons et voici le contenu.
Donc ce n'est pas un bras de fer qui a été engagé. Ça tient compte des réalités du pays, ça tient compte également de quelques spécificités. Quand ces spécificités ont été résolues ou bien mieux maîtrisées, c'est ce qui a permis de parvenir à ces 24 mois. Merci beaucoup. La discussion avec la CEDEAO et le technicien de la CEDEAO initialement, c'était autour d'une durée de 2 ans et qui devait démarrer initialement le 1er janvier. Mais si vous avez suivi, déjà en fin novembre, le gouvernement, avant même la tenue de la conférence des chefs d'État, le gouvernement avait déjà pris la décision de préparer le programme national de recensement administratif à vocation d'État civil. Parce que comme vous le savez, les 10 points inscrits dans l'agenda de la transition, vous avez au point 1 le recensement général de la population et de l'habitat. Comme je l'ai toujours rappelé, ce recensement n'a rien à voir avec un processus électoral normal. Et comme tous les pays membres du Fonds des Nations Unies pour la population et du Programme des Nations Unies pour le développement ont l'obligation chaque 10 années de procéder au recensement général de la population et de leur habitat. Le dernier en Guinée date de 2014. Le prochain se réalisera en 2024, normalement. Et quelle que soit la personne qui était au pouvoir en Guinée entre mars 2022 et juin 2022, la personne n'avait aucun choix que de prendre un décret pour convoquer le peuple de Guinée pour le recensement général de la population et de l'habitat pour 2024. Donc c'est pourquoi, dans le but de mobiliser plus de ressources et de placer comme programme prioritaire, nous nous sommes dit qu'il fallait le mettre dans le programme de référence intérimaire qui a été présenté au CNT, mais également dans l'agenda de la transition. C'est pourquoi c'est au point 1 de l'agenda de la transition. Ceci dit, le deuxième point, c'est ce deuxième point-là qui marque effectivement, qui est le facteur déclencheur du démarrage des actions de la transition, c'est le recensement administratif à vocation d'État civil. Donc après l'entrevue avec les techniciens de la CEDEAO, après qu'on s'est entendu sur les 2 ans, avant même la conférence chef d'État, le président avait déjà pris le décret de création du programme national de recensement administratif à vocation d'État civil. Et bien avant cela, au mois de juin, ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons, au niveau du ministère de la décentralisation, avec le partenaire Union européenne, lancé le programme pilote d'abord pour nous rassurer que le programme au niveau macro qui touchera l'ensemble des 3000 et quelques districts et des 700 et quelques quartiers du pays, et nous avons lancé un programme pilote qui concerne les 6 communes de Conakry, la commune de Kindia, de Mamou, de Zérékoré et de Lola. L'idée de ce programme pilote, c'était de voir un peu l'essence en termes de réussite, mais de voir aussi quels sont les goulots d'étranglement qui pourront se poser. Donc ce programme-là est en cours, et c'est tout programme global qui va toucher l'ensemble des citoyens guinéens, a été déjà formalisé depuis le mois de novembre, et à date, les équipes sont en train de travailler. Et comme vous le constatez, actuellement, nous sommes dans un processus de recensement de l'ensemble, par exemple, des fonctionnaires, tous ceux qui sont à la fonction publique. Ce que vous devez comprendre, ces personnes qui vont être recensées sur la base du fichier d'état civil biométrique et ne vont plus revenir devant la machine lors du recensement administratif à vocation d'état civil. On aura déjà eu leurs données. Donc c'est l'ensemble des Guinéens qui vont passer devant la machine. À l'issue du processus, nous allons avoir les 13 millions ou les 14 millions ou les 15 millions de Guinéens dans la base de données d'état civil. Maintenant, c'est cette base de données que nous allons questionner pour prendre tous les Guinéens qui ont les 18 ans révolus pour constituer le fichier électoral et progressivement aller vers le processus de retour à l'ordre constitutionnel. À côté, aujourd'hui, nos équipes et les équipes du ministère de la Justice sont en train de travailler sur les avant-projets de plusieurs textes de loi, notamment la Constitution, tous les textes de loi dont on aura besoin pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Une fois que le gouvernement, ces documents seront à maturité, nous allons les envoyer au CNT afin que le Conseil national de la transition, qui a comme rôle essentiel l'élaboration de ces documents, pour regarder ce que le gouvernement déjà propose afin de pouvoir passer à l'action. Donc c'est entre autres plusieurs actions. Même si on ne fait pas parfois de bruit autour de ces activités, mais pour nous, comme l'a dit tout à l'heure le ministre secrétaire général à la présidence, la question du 5 décembre au 1er janvier, c'est des détails, mais bien avant déjà, il y a des actions en cours dans le cadre, dans le sens du recensement administratif à vocation d'état civil, qui est le facteur déclencheur du processus de retour à l'ordre constitutionnel. S'il vous plaît. Cher confrère, d'accord. J'aimerais juste signaler que, je rappelle que monsieur le ministre secrétaire général a proposé des conférences pour débattre plus de sujets. Donc nous allons prendre 5 questions et une question par journaliste. S'il vous plaît. 3 questions.
Oui. Pour faire la dissolution d'un conseil communal. Mais lorsque leur mandat arrive à terme, on n'a aucune obligation désormais vis-à-vis du code. Maintenant, le seul élément que nous allons utiliser pour mesurer ce qui doit rester et ce qui ne doit pas rester, c'est leur respect, la conformité de leur action vis-à-vis du code des collectivités. Et c'est ce que j'ai posté sur Twitter lorsque j'ai vu qu'un journaliste de Guinée News a écrit ce que lui voulait pour dire que le ministre aurait dit qu'à partir du mois de février, que tous les maires vont être enlevés. J'ai appelé le journaliste, je lui ai dit que où tu as appris. Il dit, ah, j'ai appris comme ça. J'ai dit, mais tu es journaliste d'un site aussi sérieux. Tu ne peux pas te permettre à un événement où tu n'étais même pas présent de communiquer avec quelqu'un et d'écrire ce que tu veux. Finalement, ils sont revenus sur l'article. Ils ont corrigé exactement ce qui a été dit. C'est les maires qui travailleront, dont les actions sont conformes au code des collectivités. Ces actions, c'est très simple. Dans une collectivité, il ne doit pas avoir d'investissement si l'investissement n'est pas préalablement inscrit dans le PDL. Il ne doit pas avoir d'investissement si ce n'est pas pris en compte dans le PAI. Dans une collectivité donnée, les recettes de la collectivité ne sont pas utilisables pour des fins de dépenses de fonctionnement de la collectivité. Donc, voici entre autres critères qui permettront d'apprécier la gestion des collectivités le jour au jour. La dernière question, je dirais. Si on doit partir, il faut quand même qu'il y ait des élections pour que le pouvoir soit remis à quelqu'un d'autre, je pense bien. Mais là, ce que je vais vous expliquer, ce que vous devez comprendre, peut-être que je ne sais pas d'où ces personnes, de quelle école électorale ces personnes viennent, mais ce que je vais vous dire encore une fois, le premier point de l'agenda de la transition n'a rien à voir avec un programme de retour à l'ordre constitutionnel. Autrement dit, le recensement général. Les 9 autres points sont des actions qui sont liées. On ne peut pas organiser le référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution lorsqu'on n'a pas un fichier électoral qui permet d'appeler le peuple à se prononcer sur le oui ou le non. On ne peut pas avoir ce fichier électoral-là tant qu'on ne fera pas le recensement administratif à vocation d'état civil. Aujourd'hui, tous les pays du monde, le Nigeria actuellement, est en train de faire le recensement administratif à vocation d'état civil pour lui permettre d'avoir un fichier électoral. Les conséquences aujourd'hui, nous avons tous vécu ici de 2009 à 2021. Toutes les consultations électorales qui ont été organisées en Guinée et ailleurs, où les fichiers électoraux ont été faits sur la base de révisions dynamiques, ça a toujours posé des problèmes. L'autre élément, c'est quoi? Dans l'ancienne constitution et même la nouvelle constitution que nous allons mettre, tous les pays ont l'obligation d'indiquer une date pendant laquelle, chaque année, on procède à la révision du fichier électoral. Mais sauf que les fichiers électoraux de nos États, tels que ça se présente, il n'y a aucune possibilité de procéder à une révision chaque année. Donc les révisions ne sont faites que lors des élections, lorsque nous sommes à la veille des élections. Conséquence, quand un député est maire, on n'est pas en mesure de le remplacer parce qu'on ne peut pas organiser d'élections partielles dans nos pays. C'est ce système de recensement administratif à vocation d'état civil qui nous permettra d'avoir un fichier électoral dynamique, mais l'autre chose, d'avoir un fichier électoral qui ne permet pas à n'importe quelle personne de pouvoir manipuler à sa guise. Maintenant, chaque année, comme la loi le prévoit, du 1er octobre de chaque année au 31 octobre, c'est consacré à la révision du fichier électoral. On n'a pas besoin de dire aux citoyens, venez, on va vous allouer sur le fichier électoral. C'est un travail qui est dynamique. Dans la commune rurale de Wankifon, les citoyens qui ont l'âge, qui ont plus de 18 ans dans la base de données, automatiquement seront versés sur le fichier de Wankifon. Et l'autre avantage, c'est quoi? C'est qu'on a toujours eu un fichier électoral centralisé que l'exécutif peut manipuler. L'avantage avec ce processus, c'est que dans chaque région, il y aura des serveurs où on sait exactement s'il y a 1000 personnes dedans, les 1000 personnes là, les 300 sont dans quelle localité, les 200 sont dans quelle localité autre. Maintenant, lorsque vous me dites que quand les 2 ans arrivent, est-ce qu'on va partir? Je me pose bien la question, quelles vont être les conditionnalités pour le transfert au pouvoir à un civil pour partir? Autrement dit, si nous avons fait ce travail technique avec les experts de la CEDEAO, c'est parce qu'ils sont sortis d'une certaine école électorale. Ils ont une certaine expérience en matière de compte du processus électoral tel que nous l'avons aussi. C'est sur la base sur laquelle nous sommes entendus. Au contraire, je mettrais plutôt l'accent, vous en tant que média, sur l'accompagnement de nos partenaires pour mobiliser les ressources financières qui puissent accompagner le processus. Pour moi, la question, ce n'est pas les 2 ans. La question, c'est les ressources financières qui doivent permettre au processus de pouvoir s'étaler correctement sur la durée qui a été définie dans l'agenda avec la CEDEAO. Excusez-moi, je vais revenir sur ma question. Ma question était de savoir, est-ce que vous pensez pouvoir étaler les 10 points de la transition en 2 ans? Si nous avons fait engager notre ministre des Affaires étrangères sur un document signé, c'est parce que nous estimons qu'au regard de nos expériences de gestion des processus électoraux dans d'autres pays, effectivement que les 2 ans nous permettront, avec l'accompagnement financier, de pouvoir tenir les 2 ans.
L'enjeu fondamental, c'est la question des ressources financières. Ce n'est pas la question du nombre de points qui est important. Mais c'est la question fondamentale, c'est la question des ressources financières pour accompagner le processus. Et l'autre volonté du gouvernement, la CEDEAO s'est retrouvée le 5 décembre. Le 25 décembre, le gouvernement a pris 400 milliards et l'a mis sur la balance pour dire voici ce que nous donnons pour l'accompagnement du processus électoral. Aujourd'hui, les 400 milliards sont disponibles au niveau du ministère de l'Agence du territoire pour le processus électoral. Je crois que c'est une première en Guinée que le gouvernement guinéen dégage autant d'argent pour un processus électoral. Les années antérieures, c'est lorsque les partenaires donnent à hauteur de 10%, 20%, c'est ce que le gouvernement donnait. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. C'est le gouvernement, d'ailleurs, dans la loi des finances initiales, d'abord dans la loi des finances rectificatives 2022, a mis 60 milliards. Dans la loi des finances initiales, on a 400 milliards pour le processus. Cela démontre quand même la volonté du gouvernement de la transition d'aller plus vite que prévu d'ailleurs avec les partenaires. Maintenant, il reviendra dans les autres éléments de l'accord également. C'est dit que la CEDEAO s'engage à mobiliser les autres partenaires techniques et financiers pour pouvoir mobiliser suffisamment de ressources afin d'accompagner la Guinée pour tenir ce délai de 24 mois. Merci. Les étapes de la transition, les 10 là, que vous déclinez, j'avais l'habitude de dire qu'il y a trois choses. Le premier, il y a le côté recensement électoral et constitution juridique. Le troisième, il y a les élections. S'il n'y a pas le premier et le second, il n'y a pas d'élection. Or, le premier point, c'est l'élaboration du fichier électoral. C'est en cours. Ça veut dire que vous ne voyez pas quelqu'un qui dit que les 10 points-là ne sont pas tenables. C'est bien tenable. Et c'est des gens quand même responsables qui ont fait ça. Je voulais aussi attirer votre attention sur l'évolution de la refondation de l'État, qui a été marquée la semaine dernière, ou cette semaine, avec l'ouverture de Britannie militaire. C'est quelque chose qui est nouveau pour notre pays et qui a son poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président de la transition a la volonté de recréer un autre citoyen, un citoyen nouveau, débarrassé des stigmates de notre société, de l'ethnocentrisme, de la haine, etc., etc., en prenant des meilleurs de notre société, des plus jeunes, et en les mettant ensemble pour essayer de créer un nouvel état d'esprit pour une génération qui va grandir et qui va évoluer ensemble en espérant que cela va produire des citoyens différents et qui vont prendre à bras le corps les valeurs de la République qu'ils vont épouser avec l'éducation, un petit encadrement militaire, avec l'apprentissage des sciences et la formation dans le civisme, ensemble créer une génération de gens qui sont soudés, un peu comme les initiés dans nos sociétés traditionnelles, qui évoluent ensemble. Et c'est une classe d'âge qui souvent garde des relations très profondes, indépendamment de leurs origines, indépendamment de leur situation géographique. Et je pense que c'est important que la presse comprenne le sens qui accompagne la création de cette institution, qui n'est pas dans la création de l'idée des grandes nations. Hein, c'était dans la France il y a très longtemps, quand ils ont initier ce type de société. Les sociétés de l'époque en Europe aussi étaient divisées sur des clans, sur des tribus, sur des familles. Et ces types d'institutions ont permis de gommer ces différences sociales-là, réelles ou supposées, et ont permis de créer des citoyens nouveaux. Cette école est une vraie innovation que le président de la transition a souhaité, que le ministre de l'enseignement préuniversitaire et le ministère de la Défense et de la Sécurité ont mis en place. Et c'est quelque chose que la presse devrait vraiment voir et puis peut-être même suivre. Chaque ministre va parrainer un de ses enfants parce que quand ils vont rester après la quarantaine, ils vont venir dans nos familles. On va les garder le week-end pour les permettre aussi de retourner à la vie sociale et ils vont retourner ensemble, vivre ensemble. C'est quelque chose de fondamental. La presse devrait aussi suivre leur évolution. Une fois qu'ils auront quitté cet environnement, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Donc intéressez-vous à ça. La refondation, c'est aussi ça. Recréer un état d'esprit nouveau, un citoyen différent. Parce que ce que nous sommes n'est pas satisfaisant pour la construction de notre société. Je vous remercie. Pour compléter l'idée de la refondation, pour donner suite à la création du Britannée, et dans une logique d'anticipation, en Conseil des ministres aujourd'hui, le porte-parole fera la communication. Le chef de l'État a instruit le département de l'éducation à déjà penser à une réflexion stratégique de manière à ce que la fin de scolarité de ses enfants puisse permettre de créer des structures pour prendre aussi d'autres enfants qui auront excellé partout dans les autres lycées du pays pour les mettre ensemble, pour les préparer au concours des grandes écoles.
pour que la formation et l'investissement qui doit être fait maintenant là puissent être rentabilisés dans un futur très proche. Ça veut dire également refondation. Merci beaucoup.